Dès le matin, mon cœur est prêt pour te chanter. Alléluia. Acclamez le Seigneur, terre entière, servez le Seigneur dans l'allégresse, allez à lui avec des chants de joie. Que lui, le Seigneur est Dieu, il nous a fait, nous sommes à lui. Son peuple est le troupeau de son bercail. Dès le matin, mon cœur est prêt pour te chanter. Alléluia, alléluia. Allez à ses portiques en rendant grâce. Entrez dans ses parvis avec des hymnes. Rendez-lui grâce et bénissez son nom. Dès le matin, mon cœur est prêt pour te chanter. Alléluia, alléluia. Oui, le Seigneur est bon. Oui, éternel est son amour. Sa fidélité demeure d'âge en âge. Dès le matin, mon cœur est prêt pour te chanter. Alléluia, alléluia. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient. Pour les siècles des siècles, amen. Dès le matin, mon cœur est prêt pour te chanter. Alléluia, alléluia. Hymne de Saint Clément de Rome, page 16. Que l'artisan de l'univers garde ses enfants sur terre. Par Jésus-Christ, son Fils bien-aimé. Par lui, il nous a appelés de ténèbres à la lumière, de l'ignorance à la connaissance et de sa gloire. Nous mettons notre espoir en toi, principe de la création. Tu as ouvert les yeux de nos cœurs afin qu'ils te connaissent. Psaume 72. Bien heureux ceux qui cherchent la paix, bien heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Bien heureux.
absent. Avec Adam, ils ne sont point frappés. C'est pourquoi l'orgueil est le premier. La violence, le vêtement qui les couvre. La malice, la douceur de la graisse. L'artifice leur déborde du cœur. Cantique d'Amos, page 328.
ce jour-là, je relèverai la hutte branlante de David. J'en réparerai les brèches, j'en relèverai les ruines. Je la rebâtirai telle qu'au jour d'autrefois, afin qu'il conquière toutes les nations qui m'ont appartenu. Psaume 145. Jésus-Christ, Seigneur, par l'Esprit.
de Guigues le Chartreux au XIe siècle. Il se rendit dans un endroit désert et là il priait. Jésus lui-même, Dieu et Seigneur, dont la force n'avait pas besoin d'être soutenue par la solitude, ni n'était entravée par la fréquentation des hommes, a eu soin pourtant de nous laisser un exemple. Avant son ministère de prédication et de miracles, il s'est soumis, dans la solitude, à l'épreuve de la tentation et du jeûne. L'Écriture nous rapporte que, délaissant la foule des disciples, il a gravi la montagne pour prier seul. Puis, à l'heure où sa passion était imminente, il abandonne ses disciples et il s'en va prier seul. Exemple qui fait comprendre entre tous combien la solitude est avantageuse à la prière, puisqu'il ne veut pas prier en présence de ses compagnons, même des apôtres. Il ne faut pas passer sous silence un tel mystère qui nous concerne tous. Lui, le Seigneur, le Sauveur du genre humain, offre en sa personne un exemple vivant. Seul au désert, il se donne à la prière et aux exercices de la vie intérieure, le jeûne, l'éveil et les autres fruits de pénitence. Surmontant ainsi les tentations de l'adversaire par les armes de l'esprit. Jésus, j'accepte qu'à l'extérieur, il n'y ait personne avec moi, mais que ce soit pour qu'à l'intérieur, je sois davantage avec toi. Malheur à l'homme seul, si tu n'es pas seul avec lui. Et combien d'hommes demeurent dans la foule et sont vraiment seuls parce qu'ils ne sont pas avec toi. Je voudrais avec toi n'être jamais seul, car en ce moment personne n'est avec moi, et pourtant je ne suis pas seul, je suis à moi-même une foule. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Les lendemains, bien avant l'aube, Jésus se leva. Il sortit à la dans un endroit désert. Et là, il priait. Alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi. En ce temps-là, aussitôt sorti de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d'André. Or, la belle-mère de Simon était au lit, elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla à Jésus de la malade. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d'un mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies,
et il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus se leva bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert, et là, il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent et lui disent « Tout le monde te cherche ». Jésus leur dit « Allons ailleurs dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'Évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l'Évangile dans leur synagogue et expulsant les démons. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Béni soit le Seigneur Dieu d'Israël. Il visite et rachète son peuple. Il nous suscite la force de salut. Arrache l'oppresseur aux mains de tous nos ennemis. Amour qu'il scellait avec nos pères et souvenir de son alliance sainte. Petit enfant, qu'on nommera prophète du Très-Haut, tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses chemins. Tu annonceras son peuple le salut en rémission de ses péchés. Par l'amour du cœur de notre Dieu, sur ceux de la ténèbre qui gisent dans l'ombre de la mort, et guide pour nos pas au chemin de la paix. Rendons-nous au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, siècles des siècles. Que ton règne, Seigneur, parvienne aux extrémités de la terre.
en particulier pour cette ville de Paris. Donne-nous d'aimer, de servir et de prier comme toi. Oh, oh, oh. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, de connaître et de proclamer la divinité de ton Fils, à la suite de l'évêque Saint-Hilaire, qui sut la défendre sans jamais faiblir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Amen.